Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Formula Grand Prix 2 sur 64. On avait joué au 1 il y a pas mal de temps. On va voir si dans l'idée maintenant le jeu a bien évolué ou pas du tout. La réponse, on va le savoir dans quelques minutes. Alors déjà si les options d'affichage ont changé par exemple. On peut changer donc le français, affichage UD, on peut mettre oui ou non, affichage carte zoom, on va enlever l'affichage de la carte. On va mettre en kilomètre heure, l'affichage on va mettre non. Le HUD on va l'enlever. Tracé course on va l'enlever. Vue avant proche on va mettre non. Écran divisé en vertical on va mettre en horizontal, mais je n'ai personne pour jouer avec moi donc évidemment ça va être un petit peu compliqué. C'est bon, il l'a pris en compte, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, le son, on va voir classer les réglages en général, c'est plutôt la même chose. Volume de la musique, on va baisser un tout petit peu. Effet sonore, on va garder. La voix, on va la garder. Voilà. Les données, c'est pour charger et sauvegarder. On va donc faire un mode, un joueur. Le jeu est en français. Et on va partir sur un mode... Alors, en exhibition, Grand Prix, Challenge, Chrono et Émettre. Émettre, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir... Ah oui, d'accord, ok. En fait, ça permet de voir... des circuits, des pilotes, le tutoriel avec quelques options de course normalement. Voilà, météo ensoleillé, etc. Donc on peut revoir, on peut mettre événement oui, on peut faire sortie. Et du coup, je me pose la question si on fait circuit par exemple. Si on prend par exemple le Spa, ça m'intéresse de savoir si on va prendre le Grand Prix de Spa. Pour voir si on peut revisionner un événement, Grand Prix de Hongrie, Grand Prix de Belgique. Grand Prix d'Italie... Ah bah j'étais, je suis bête. Grand Prix de Belgique. Il est là. Alors, événement 98, oui. On va mettre tour, 4 tours. On va mettre pilote, on va prendre... un pilote... pas forcément très rapide. On va prendre un pilote de fond de grille par Nakano. Voilà. On a l'assistance indicateur de freinage. On va faire tout non, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Niveau de pilotage professionnel, voilà. Type de manège standard, transmission auto. On a volant ou standard, on va faire sortie. Et on va faire départ. On va voir ce qui se passe vraiment en Belgique pour 4 tours. Logiquement, il doit y avoir un carambolage. Vous êtes d'accord, si vous avez suivi la Formule 1 98, Grand Prix Belgique, énorme carambolage. 100% de risque de pluie. Il devrait y avoir un énorme carambolage au deuxième virage. On va voir ce qui se passe. Alors il y a bien Démonil au milieu, jusque là tout va bien. Les voitures au ralenti, jusque là tout va bien. Et normalement c'est après ce virage là. Et je suis au regret de vous dire qu'ils n'ont pas refait l'accident du départ, c'est bien dommage. Bon, en tout cas ce qui est sympa c'est que je peux voir le jeu bah, comme il est en vrai. Donc on va faire start, on va faire abandonner la course, de toute façon il n'y a rien à voir, c'est un mode diffusion en fait. Voilà, tout simplement. Donc on va faire menu, et on va faire une vraie course, on va piloter, parce que là c'est juste un mode, voilà, pour s'amuser à faire tourner des voitures. On va donc faire retour. On va faire un grand prix. Nouveau fichier. Ouais, pourquoi pas. On va prendre un pilote, on va prendre... Ah, il y a Nakano, j'aime bien, bon, on peut prendre un autre. Alors ce qui est intéressant, vous vous rendez compte ici, si vous regardez les livrets des Formule 1, il y a la 3D qui est vraiment différente entre les voitures, donc ça c'est toujours un bon point à l'époque, parce que souvent ils avaient tendance à faire une seule modèle de 3D, et après ils mettaient les textures par-dessus. Là, on a vraiment des modèles différents, on reconnaît un petit peu le nez typique de la Tyrrell d'ailleurs. La Stewart Ford est bien réalisée aussi, franchement elle ressemble pas mal à celle qu'on a en vrai, la Rose aussi. Ouais, franchement, je suis déjà assez content par rapport à ça, on a une bonne fidélité au niveau des voitures. La Prost AP01, que d'ailleurs on va prendre pour rigoler. On va prendre Trulli. On va garder ce niveau de pilotage, on va faire sortie. On va voir les options. Donc événement 98, oui, drapeau, tour, on va mettre 3 tours. Alors les stands, on pourrait les activer, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Histoire de voir si les stands ça se passe bien ou pas. On va faire départ. On a mis 7 minutes pour lancer une course, c'est incroyable.
Les chargements, bien entendu, très courts. On est 64. Avec une petite, voilà, une petite, petit aperçu du circuit. On va pouvoir aussi voir si le jeu s'est amélioré en termes de graphisme par rapport au premier. On avait fait Fable Grand Prix sur Dreamcast d'ailleurs, qui était ma foi pas mal. Donc là, on va avancer un petit peu, voilà, pour piloter enfin. Alors, on a vendredi, samedi, pole, warm-up et Grand Prix. Donc, on va faire la pole. Bien sûr, c'est la qualification. Alors, ils ont une traduction qui est un petit peu bizarre. J'aurais plutôt mis qualification et exercice, ça serait plutôt essai. L'application est assez, la traduction est assez boiteuse. On va faire un exercice le samedi. Et là, comme vous pouvez voir, on peut régler certains paramétrages. Donc, on peut choisir l'essence. D'ailleurs, on va mettre de l'essence pour 4 tours. Les pneus, on va prendre des souples secs. Alors, on va laisser les ailerons peut-être un peu plus élevés. Vitesse semi-bas, non. Suspension, on va laisser comme ça. Direction 16 degrés, limite parce que le virage s'est serré. On a droit à la télémétrie. On peut voir les résultats actuellement et on peut faire donc course. Ce que nous allons faire. Voilà. Découvrons ensemble ce jeu. Alors, on freine avec A, on accélère avec B. Ou l'inverse, j'ai pas de mettre 64 exactement, donc c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut changer la vue? On peut avoir une vue sur les côtés. Voilà, on va accélérer. On va essayer de voir si on peut changer déjà. Donc là, on a une vue sur les côtés. Une vue embarquée. Voilà, oh, on a une jolie vue intérieure. Ma foi, fort bien réalisée. Même si elle est vachement étroite. J'ai l'impression que si on tourne la roue un peu trop fort, en fait la roue rentre dans le cockpit. Ce qui n'est pas le cas bien entendu en vrai, mais ici c'est un petit peu bizarre. Alors je joue pas avec... Là je peux jouer avec le joystick, vous voyez c'est beaucoup plus précis si je joue avec le joystick. Mais si je joue avec les flèches, bien entendu, ça va être beaucoup moins précis. On va freiner, et d'ailleurs quand on freine, les freins se virent au rouge. Peut-être plutôt sympathique. Alors là j'ai enlevé le HUD, c'est-à-dire qu'en fait vous avez pu le voir, il n'y a quasiment rien affiché. J'aime beaucoup ce genre de mode parce que ça permet d'avoir vraiment l'écran totalement libre pour avoir une bonne vision. On a une vue un peu plus éloignée, qui ma foi serait peut-être ma préférée, hein, parce que c'est une vue entre les deux. C'est la vue qu'on a un petit peu en vue télé à l'époque quand on était dans la voiture. Je sors un petit peu de la piste d'ailleurs. On va voir la vue supplémentaire, on a une vue juste derrière. On sent l'étranglement de la voiture aussi, ça c'est un petit détail toujours appréciable. Et on a une vue un peu plus éloignée encore, puis toujours plus éloignée, et la vue embarquée. On va garder cette vue pour le moment. Je suis sûr de faire un petit chrono, voilà, c'est parti. Et je vais essayer de tourner pour faire un tour de qualification. Normalement, voilà, je peux changer les options d'affichage. Si je mets l'HUD, j'ai ça. Voilà, si je mets l'affichage ici, je l'ai là. On va garder ça, oui, ça j'aime bien. C'est plutôt... c'est mieux d'avoir ça. Et on va faire continuer la course. Alors ça freine très très fort. J'ai à peine tapoté le frein que la voiture s'est quasiment ralentie d'un coup. On a toujours cet effet de brouillard hein, par rapport à la première version du jeu, mais qui me semble légèrement moins prononcé. Alors c'est toujours autant pixelisé, enfin c'est quand même moins aliasé qu'un jeu player. Mais là ça l'est quand même un petit peu. J'aime les effets sur le haut, on a l'impression qu'il y a un effet de vitesse alors qu'en fait c'est pas du tout, c'est juste les textures qui sont floues. Qui est un gros défaut comme vous le savez de la game de 64 pardon, ce que je dis à chaque fois dans toutes les vidéos de jeu 64, puisque c'est toujours le même problème qui revient. Bon le circuit ma foi est fidèle, peu de choses près. Ensuite le tracé donc d'Adélaïde. D'Adélaïde. N'importe quoi, de Melbourne, pardon, en Australie. Là, on va arriver dans le pifaf, voilà, gauche puis droite. Alors, petit effet de flamme, c'est sympa aussi. Par contre, on a 9 secondes de retard sur Hakkinen. Et on a fait 2 sur 4 tours. On va voir si on peut améliorer. Le son de la voiture est plutôt bien rendu, hein. On a les sons corrects par rapport au bruit des F1 d'époque. Et là, oh là, la prose qui est complètement partie à la dérive, alors ça c'était totalement pas réaliste.
On va dire que ça va, mais c'est pas... C'est assez pourri. 15 secondes de retard. Alors on a le spotter, ça c'est cool. Alors je vais être en français, mais on a quand même le spotter en anglais. Ça c'est un petit peu bizarre. Il disait que c'était mon meilleur tour, mais en même temps j'en ai fait qu'un chronométré, donc ça m'étonne pas trop. Je suis complètement sorti du circuit, mais ça va, ça passe. Et on a un petit effet sonore ambiant qui est assez sympa. Oh, j'ai complètement tapé, ça a rien fait. Alors ce qui est dommage déjà, je trouve, hein, c'est un petit peu comme 95 ou 97, Formule 1 97 et 95, c'est-à-dire en gros, il y a des améliorations, on sent hein, que le jeu est un peu amélioré, mais le moteur graphique est resté à peu près le même, ce qui fait que même si, bon, il reste beau pour l'époque, il est quand même peu différent par rapport à la première version. C'est qu'on a quand même l'impression de jouer un peu au même jeu avec juste un patch, avec un patch de voiture. On va faire start. On va faire fin d'entraînement. Et du coup, on a fait combien, nous? On va partir dernier, hein, je pense. Ouais, 31 secondes, quoi. On va faire continuer le Grand Prix. Mais là, on est vraiment, vraiment très, très nul. On va faire le... Non, on va faire le Grand Prix directement, histoire de s'amuser un peu. Et après, j'essaierai de vous montrer d'autres tracés. On va prendre des pneus souples. Pas de résilier depuis. On va régler les ailerons. Finalement, on va les baisser un peu. Voilà. Et on va partir pour la course. Par contre, j'ai mis combien? 4 tours d'essence, mais c'est ce qu'il faut. Commencer la course. Le menu est plutôt bien étudié. On se perd pas. Il y a tout est positif dans ce menu. Il y a des menus qui sont un peu plus compliqués. Là, tout va bien. On a une petite grille de départ avec toujours Villeneuve qui n'est pas affiché, hein. On a toujours le monsieur Williams à la place. Verstappen est 7ème, donc c'est licence de fin d'année par contre, parce que Verstappen est arrivé je crois pour le Grand Prix de France, après avoir remplacé Magnussen pour faute de résultat, qui malheureusement, puis en plus avait marqué un point au Canada. Ouais, départ correct, c'est très rare d'arriver à faire des bons départs dans les jeux de F1. Enfin, des bons départs, des départs au moins au niveau des IA, là c'est le cas, par contre on est vraiment à l'arrêt. Voilà, même la Minardi nous fout un vent, mais monstrueux. Alors certes, j'ai pas la meilleure voiture du jeu, mais j'ai quand même pas une Tyrell ou Minardi. On va essayer de suivre ça. Voir comment se déroulent les IA au freinage. On voit que le premier virage s'est très bien passé pour tout le monde. Alors j'ai pu comprendre que Mika Hakkinen était en tête. Alors, la nombre de braquages qui est très très réduit. Je suis déjà à 9 secondes de Schumacher. Je me demande s'il y a quand même pas un petit problème sur le chrono. Parce que 9 secondes par rapport à la voiture devant moi, c'est quand même énorme. Surtout que visuellement, bah en fait, elle est plutôt à 3-4 secondes qu'à 9 secondes. Hein. Ah, Schumacher est abandonné. Oh là là, ça s'est touché. Alors, je sais pas si j'ai mis des dégâts par contre, j'ai pas fait gaffe. Et on a perdu énormément de temps dans cet accrochage. Alors on va changer un peu la vue. Je vais mettre celle-là. C'est plutôt cool. Il y a pas mal de... Oh là, on s'est fait toucher par derrière. Ouais, il y a encore un pilote qui est out. Et j'ai encore tapé. C'est pas facile, hein. Je vais remettre en vue normale. Oh, regardez, on voit une Jordan qui a le moteur en flamme derrière.
que j'ai enfin réussi à prendre ce virage. Non, j'y arrive jamais, décidément. Chaque fois. Allez, on va essayer de dépasser la Stewart. Oui, on s'est touché. Bon, les chocs, déjà, encore un petit défaut. C'est pas très réaliste. Le maniement, après, est propre. Hein. Je trouve qu'on dose plutôt bien le virage. Ça, c'est cool. Mais sur la tendance à surfreiner quand même et suraccélérer. Tout est pas trop progressif, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste très très maniable. On a une jeu de F1 qui était quand même bien pire que ça. Ah, Takagi 14ème. Mais comment on voit, hein, il était parti 14ème sur la grille à Melbourne 98. C'était plutôt un bon résultat pour Tyrell à l'époque, enfin, en tout cas quand on connaît la suite de la saison 98. Parce qu'après les Tyrell vont être au niveau des Minardi à peu près. Ils vont partir quasiment tout le temps en fond de grille. Bien Takagi qui aurait pu franchement avoir une autre carrière que ça. Hein. Il a été dans deux mauvaises équipes au mauvais moment. Il a été chez Tyrell alors que c'était la fin. Il a été chez Arrows alors que c'était la pire saison. C'est quand même dommage. Il aurait pu aller plus loin. Je pense que Takagi était meilleur que Sato, en tout cas pour ses débuts. Même si Sato après ça va être un bon pilote, hein, parce qu'il a quand même gagné Indianapolis. Ouais, je fais les erreurs au même endroit chez vous. C'est surtout ça qui est drôle. Je suis très régulier dans mes erreurs, dans tout. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est faire un comparatif entre le premier et le deuxième pour montrer à quel point le jeu est très peu différent. Je sais que le premier a puté un bon succès, 64, par contre, le second, pas beaucoup moins, hein, autant j'ai envie de dire, mais. C'est les seuls jeux de F1, parce qu'il y avait F1 Pole Position aussi, qu'on avait testé il y a pas mal de temps, avec la saison 96 justement, mais qui est totalement arcade. Oh là là, on s'est touché. Ce qui est bien, c'est que le son aussi est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe. J'arrive pas à dépasser Takagi, j'ai tenté le freinage. Non, ça passera pas, on va se calmer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en course, même si on n'est pas très bon, on arrive quand même à recoller un petit peu derrière. Ah, ça s'est touché. Il a réussi à passer Takagi. Attention, on l'a ressorti. Last lap. On dirait qu'il a le nez bouché quand il parle, en fait. C'est assez particulier comme son. Allez, on va essayer de remonter. Et comme toujours, je me loupe. Attendez, je vais remettre le casque en place qui va se casser la gueule. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Alors, j'ai mis les arrêts au stand, il me semble, mais pour 4 tours, bien évidemment, ça sert à rien. Personne va s'arrêter au bout de 4 tours. En revanche, je ne sais pas s'il y a des avaries pour nous. Autant il y en a pour l'IA, autant peut-être qu'il y en a pour nous aussi, mais pour l'instant, bon, on n'en a pas. Après, c'est pas sur une course en général qu'on a un problème mécanique, c'est au bout de 4-5 courses. En tout cas, c'était le cas sur F1 97. Alors, je ne sais pas si c'est propre au circuit d'Australie. Bien que, effectivement, en vrai, ils sont plutôt étriqués. Il y a quand même un effet bizarre quand on roule dessus, on a l'impression d'être en ville, quasiment. Oui, on a en ville en même temps, mais bon, c'est plutôt un parc. Et je me suis loupé, on va réaccélérer. Et du coup, on va finir 15ème, ce qui est une position très mauvaise, mais plutôt bonne par rapport au résultat des Prost à l'époque sur la première course. Qui d'ailleurs avait les petits pingouins hein, dessus, les petits ailerons posés sur les pontons. Alors, est-ce que je peux passer à la suite? Voilà, donc on a un classement, ce qui est bien, c'est que le classement est complet. Et on a Ralf Schumacher, allez-y, et Schumacher qui a abandonné, donc les deux Schumacher. On peut voir la course de la saison, voilà, et les points marqués. Donc on va faire continuer le Grand Prix. Mais continuer le Grand Prix, d'après ce que je comprends, en fait, c'est un mode championnat. C'est un mode carrière hein, qu'on est en train de faire.
Et là, donc, on va arriver au Brésil, auquel on va faire quelques tours quand même pour voir si ça vient vraiment du circuit d'Australie, cette impression. On va faire samedi exercice. Et on va laisser par défaut. Ouais, je vais laisser au maximum comme ça. Par contre, on va augmenter les degrés de direction parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tourner avec cette voiture. Allez, commencer la course, c'est parti. Il faudrait qu'on rentre au stand aussi, voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Là, je suis avec le voilà, directionnel, donc c'est peu précis. Et là, je suis avec le joystick. Je me suis couru comme au premier virage. J'ai fait une Villeneuve en 97. J'ai tiré tout droit au premier virage, coup à coup avec Schumacher. Et qui avait eu de la chance d'ailleurs d'avoir le restart. Parce que sinon, il repartait encore. Il repartait assez loin. Je suis complètement sorti, vous avez vu les dommages. C'est totalement irréaliste. J'ai pas eu de dégâts hein, pour le moment. J'ai quand même bien du mal à tourner. Allez, on va faire un deuxième tour juste pour s'entraîner. Après, on va faire la course directement. Mais il y a quand même un léger effet de. Peut-être parce qu'on est en 4 tiers. Léger effet de circuit étriqué. Pourtant la piste est large. Hein. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce jeu? Alors en fait, pas tellement, pas grand-chose en soi, puisque le problème c'est inhérent à la console. C'est-à-dire bah, au niveau des graphismes, peu d'évolution, texture floutée, maniement, bon, correct, ça va, c'est plutôt un bon point. Surtout qu'il doit être beaucoup plus sympa au volant. Qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, les timings hein, qui sont un petit peu... un peu loupé. Les sons qui sont... On sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais qui sont pas terribles quand même. Mais dans l'ensemble, le jeu mérite une bonne moyenne. Hein. Même si on n'a pas tout fait, même cette vidéo, on n'a pas tout vu. Le jeu, quand même, essaie de voir un niveau correct. Mais je pense qu'il est déjà un peu dépassé. Il est déjà un petit peu dépassé. Autant le premier n'était pas, autant le second était un peu plus. On va faire... heureusement qu'contre lui, il y avait Formule 1 98, parce que si Formule 1 98 avait été à Formule 1 97 mis à jour au niveau des graphismes, comme fin 99 par exemple, je pense qu'il se serait pris une grosse tollée. Mais bon. Heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas, et puis ceux qui avaient 64, de toute façon, n'avaient pas Formule 1, n'avaient pas le choix. Donc on va faire fin d'entraînement. Voilà, on va faire continuer le Grand Prix, et on va faire la course directement. Ouais, on est dégueulé, on est des ouf. On part de la dernière place. On prend des pneus souples. Ça c'est pareil. Hein. Pneus soft, hard, pneus souples. J'aurais plutôt dit pneus tendres que pneus souples. Et donc l'arrivée de marque est plutôt rapide hein, quand même. Hein. Il faut vite regarder les positions. Alors, à partir de dernier, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Et on a ouais, un faux départ finalement. On est bien parti au début, mais j'ai relâché, j'aurais pas vu. Et c'est parti pour ce Grand Prix du Belgique, de Brésil 1998. Et voilà, et ça. J'ai pas réussi à prendre le virage. Ouais, c'est ça le problème du jeu, hein, c'est qu'on n'arrive pas à tourner.
Alors certes, j'ai augmenté de 20 degrés, mais il faut savoir qu'en F1, 20 degrés, c'est déjà énorme pour tourner. Si je passe à 24, 26, c'est totalement pas réaliste. Donc, Mika Hakkinen est en tête. On va se mettre en vue embarquée, histoire de vous montrer un peu. Oui, là par contre on voit rien, je tourne mais je sais pas où je vais. Ça, c'est un gros défaut, et puis les bosses aussi sont trop prononcés. C'est pour ça que j'aime bien cette vue finalement. On ressent un petit peu moins les bosses, mais on voit quand même que les voitures sautillent énormément. Ah, il a minardi, attention. Ouh, bon, alors là, on va doubler tout le monde. Boum. Je sais pas si c'est l'aspiration qui fonctionne. Voilà, là, ça fonctionne un petit peu quand même. Oh, la tirelle sur l'extérieur. C'est totalement touché. Alors qu'il les double tous par l'intérieur, c'est incroyable. Il prend la 13e place sur la Jordan. Comment mettre du suspense quand il n'y en a pas? Et Herbert qui va peut-être être dépassé par l'intérieur. Oh, ça s'est touché, heureusement pas de dégâts. Ah non, on pour vraiment. Oh, alors, ça s'est vraiment touché, je suis pas en partie à l'intérieur, c'est pas grave, j'insiste, ça passe. Voilà, là on va freiner à fond. Vous avez vu que la voiture s'est quand même décalée un peu au bout d'un moment quand on a trop freiné. C'est bon à savoir hein, pour la suite, ça permet de prendre des virages beaucoup plus serrés. Voilà, par exemple, dès que j'ai mes pneus, je peux mieux accélérer parce que je suis mieux positionné en sortie de virage. Alors, on va tenter le top 6. Ok, donc c'est Wurst qui est devant nous avec la Benetton. Aïe! Alors j'aime beaucoup le spotter parce qu'il explique quand même pas mal de choses. En fait c'est comme un commentateur hein, dans l'absolu, c'est juste un spotter. Hormis la voix qui est un petit peu bizarre, je vous dis, il y a pas mal d'infos, ça c'est cool. Et des infos très précises. Hein. T'es pilote devant, t'es pilote derrière. Voilà. Il a dit 4 secondes devant, hein. C'est pas son estimatif du genre 5 secondes, 10 secondes, 4 secondes. Là c'est 4 secondes, c'est 4 secondes. Donc un point de plus pour le jeu. Je fais crisser les pneus. Après on essaiera le mode pas défi, mais je sais pas comment ça s'appelle. Qui met en scène quelques scénarios qu'on avait fait sur le premier. On va essayer de gagner un petit point, on sait jamais. On est quand même vachement loin, on doit être à 5 secondes. Cool, j'ai fait le record du tour. Le record du tour n'a pas de suffire pour rattraper les pilotes devant moi. Il y a un gap énorme avec les 3, les 6 premiers et le reste. Alors, 4 secondes, il a dit 3 secondes. Bon, on va lui pardonner parce que c'est quand même plus proche des 4 secondes que les 3 secondes. Ça va être trop court pour aller prendre le point. Bon, la distance d'affichage est bonne aussi, vous l'aurez vu. Voilà, on n'aura pas aussi rattrapé dans notre secteur, tant pis. Du coup, on va finir 7ème. Bon, c'est pas dans les points, c'est dommage, mais c'est correct. C'est une meilleure prestation que tout à l'heure en Melbourne. Ah, j'aurais dû m'arrêter au stand pour voir s'il y avait
S'il y avait des mécanos. That's your new course record. Voilà, c'est tiré. Donc c'est Akien qui a remporté la course à nouveau. Comme en vrai, on va faire continuer le Grand Prix. On va peut-être plus aller au menu. Et on a l'Argentine qui d'ailleurs sera la dernière année courue sur ce tracé. Même si on parle encore du retour du Grand Prix d'Argentine, mais je pense que là, c'est mort. Avec leurs problèmes économiques actuels, il y a un moment où ça s'est un petit peu amélioré, mais là ça fait un ou deux ans que c'est un peu la catastrophe. Un peu comme le Venezuela, mais un peu moins violent. Donc je doute qu'il ramène un circuit encore en Formule 1. Enfin, en tout cas, c'est pas la priorité, je pense. McLaren qui est déjà 32 points, Williams 2e, Ferrari 3e. Alors on va sortir. On va sortir du mode de jeu. On va essayer de voir. On va revenir. On va faire un challenge. Fichier 1. Simplement. Vitesse, tactique, mécanique. On va prendre de la vitesse, pourquoi pas. On va faire le premier test. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il va nous demander de faire. Donc, dès la concours de la saison, les McLaren, Mikakin et Kukuta surprennent tout le monde en caracolant en tête. Ça, c'est clair. En tête, au 36e tour, Akinen rentrera inutilement au stand. Cette erreur grave est provoquée par une mauvaise lecture du panneau de stand. Alors qu'Akinen était au stand, Kukuta prit la tête et tenta de distancer Edirvan et Ansar Frenzen qui essaya de rester dans sa roue. Rattraper l'erreur commise dans les stands et rejoindre Kukuta, l'écurie McLaren laissera la victoire au pilote le mieux placé sur la grille de départ. Et ce qui est totalement vrai d'ailleurs à l'époque, parce que Coulthard avait laissé passer, repasser Akinen. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que même avec cette erreur, ce qui fait que les pilotes ont dû ralentir quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième était quand même à un tour. Les McLaren ont vraiment dominé du début jusqu'à la fin la course. Je suis complètement loupé. Tant à l'extérieur aussi. 54-56, donc ouais, logiquement, on va voir si on peut le rattraper. On a une McLaren, mais vu mon niveau, je pense que je vais galérer un peu. On peut couper un peu le virage. Alors j'ai pas mis les drapeaux, donc effectivement, je pense que si on rajoute le drapeau, on peut pas forcément faire ce qu'on veut. Voilà, toujours 5 secondes. 4 secondes, bon il reste son tour à faire j'ai l'impression. Ouais 54-56 ça devrait le faire. Pour de là si on arrive à gagner du temps. En tout cas le scénario est cohérent et réaliste hein. C'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Je sais pas que c'est qu'on rattrape si c'est Coulthard ou pas. Ah. Alors il dit que Frenzen est loin derrière mais qu'il est en train de gagner du temps sur moi. Allez, on va essayer d'attraper Coulthard. Alors, est-ce qu'il va nous laisser passer ou est-ce qu'il va juste passer devant nous? Bon, si c'est marrant, ce serait qu'on s'accroche. Même si je pense qu'il va nous laisser passer quand même. C'est l'accrochage entre les deux Mercedes, les deux McLaren. Bon finalement,
finalement, on l'aura passé avant. Décidément, ce virage, je n'y arriverai pas. Bon, j'ai trop tourné d'un coup. Bon, il revient tout le temps, mais c'est normal avec l'accident qu'on a eu. Alors, c'est marrant, ça serait le même jeu en 90. Alors, vous êtes à Suzuka, vous êtes Senna, vous avez points sur le côté, vous pouvez être champion si aucun de vous deux termine la course. Vous avez un virage pour le sortir de la piste. Voilà. Ça pourrait être le genre de défi. Alors, score 3. On va faire menu. Pour commencer la course, bien entendu, puisqu'on l'a déjà fait. On va juste voir un autre défi, puis on s'arrêtera là, je pense. Tactique. Eddie Irvine, mécanique des Coulthard. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vitesse B, Michael Schumacher. Ah, on aurait quand même tenté Michael Schumacher en vitesse, voir ce que c'est. Quel scénario ils vont nous proposer dans le mode défi? En Hongrie, la McLaren mène la qualité de la course. Pour que Michael Schumacher ne finisse pas 3ème, Ferrari essaie de modifier sa tactique. Je parie qu'il va nous dire qu'il va faire 3 arrêts, ce qui était historique à l'époque, et gagner la course. Choisir 3 ravitaillements au lieu de 2 signifierait que la voiture serait plus rapide que celle de ses concurrents qui transporterait plus de carburant. En tour 43, Schumacher commença à manquer de carburant et dû faire un ravitaillement rapide pour avoir assez d'essence au fond afin de finir la course. Prenez rapidement d'essence et essayez de remonter sur les McLaren afin de ne pas alourdir votre voiture, ne prenez que le carburant nécessaire. Alors par contre, là, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois m'arrêter au stand au prochain tour directement, les rattraper quand même, je sais pas trop. Je suis complètement sorti de la piste. Ouais, donc du coup, il faut absolument qu'on s'arrête au stand, mais j'ai quoi de loupé là. Et je vais me revenir qui est en train de me rattraper. Ah, le problème, c'est que je connais pas le circuit, donc du coup. On s'est même fait dépasser par Irvine, mais je suis encore dans le gravier. Décidément, je passe mon vie dans le gravier. William, 2 seconds ahead. Alors là, par contre, le pari est totalement loupé. Mon dieu! Allez, on va s'arrêter au stand, de toute façon c'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait voir. En train de changer les ailerons, donc du coup je crois que c'est mort. Ah ouais, 28 secondes d'arrêt, c'est même pas la peine d'y penser, c'est fichu, ils ont déjà gagné la course. Alors ce qui est pas mal en stand, vous voyez, c'est qu'on a les gommes qui sont blanches, du coup on est 10e. Les petits détails qu'ils ont bien fait, c'est que effectivement la Ferrari elle est pas échappant vers le haut. Alors ça c'est bien étudié.
call first going into the pit. Ah, ils vont rentrer dans les stands plus tard. Hills way ahead. Ouais, mais on gagnera pas parce que je suis trop mauvais tout simplement. Il faudrait faire aucune erreur sur le tracé et j'en fais, je fais que ça depuis tout à l'heure. J'arrive même pas à voir les virages. En fait, il aurait fallu que je sois juste derrière les McLaren pour repasser devant au freinage, dans les pits justement. Mais là, c'est certain qu'on repassera pas devant. On s'est complètement loupé. Hein. D'ici là, on peut tout recommencer. Puisqu'on est au 45 des 47 tours. Je gagne même pas du temps, je pense que j'en perds plus qu'autre chose. Et oui, on est même pas dixième. Bon écoutez, c'est pas grave, on va abandonner la course. C'est pas grave, c'est un échec. On peut revoir le tour si on veut, voilà, on va le regarder un petit peu. Écoutez, on va se laisser là-dessus. De toute façon, vous aurez compris, c'est juste une mise à jour en fait de Grand Prix, pardon, le 1. Avec la 197, hein, donc pas grand chose de plus, toujours les mêmes modes plus ou moins. Un jeu qui reste quand même pas mal pour l'époque, hein. Franchement le jeu il se tient bien. Il n'y a que le maniement, le fait qu'il y ait des boss, les collisions qui sont pas super bien rendues, qui gâchent un peu le tout. Mais le jeu est plutôt propre, les voitures sont bien rendues, les sons sont corrects, le spotter nickel. Et il y a ma stratégie, c'est plutôt réaliste, donc franchement ça va. Je trouve que le jeu est plutôt bien, donc je vous conseille si vous voulez tester un jeu 64. Même à la limite, tester le premier aussi, hein, qui est très bien aussi. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!